Et salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour le 47e épisode de Pokémon Ultra Lune. Donc si nous battons le boss de la Team Rocket, tout rentrera dans l'ordre, j'espère. Et dans le dernier épisode, nous avons battu Gettys, tout simplement. Est-ce que nos Pokémon sont soignés? Je l'espère. J'espère qu'ils sont soignés. Alors oui, on peut peut-être changer de Pokémon un petit peu. Hein. On va envoyer Zoro. Voilà, nous allons l'envoyer, tout simplement. Oh purée. Et j'espère que le téléphone va bien tenir. Et oui, juste avant de record cet épisode, j'ai acheté une petite carte Google Play à 25 € pour avoir quelques trucs sur Pokémon Go. Et maintenant il reste plus que mon forfait 4G à attendre que les 20 gigas de 4G arrivent, quoi. Donc ça sera à la fin du mois, Pokémon Go. Voilà, allez. Oh, vous êtes le boss. Oui, c'est le boss. Ah, purée. Oui, voilà, c'est Giovanni. C'est Giovanni, tout simplement. Appelez-moi Giovanni. Giovanni Panzani. Ah, Elzamina, je t'avais pas reconnu. Ah, merde, vous m'entendez? Elle ne va pas sur ces vidéos de site. Oh, purée, la peau. Attendez, j'ai enlevé mon casque parce qu'en fait je porte mon casque, mais ça ne sert à rien. Allez, je vais t'affronter, petit Giovanni. Et puis j'espère que ça va aller. J'aime les dossiers puissants. Que diriez-vous de rejoindre le. Ah, moi je veux pas par contre. Hein. Non. Évidemment. Allez, on va battre le boss de la Team Rocket. Peut-être enfin, de la Team Rainbow Rocket. Étrange, il me semble que ce n'est pas la première fois qu'un gamin me défie de la sorte. Ah, il parle de raid. Quoi qu'il en soit, tu te... Oui. Pain, 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 pain. Oula, attendez. Le téléphone, il bascule un peu trop. Ah, attendez. J'espère que ça va aller comme ça. Hop, allez, on affronte le boss de la team Rainbow Rocket. Allez, je suis en feu. Je suis en feu. Ah purée, c'est chiant ça, purée. T'essaies d'être super bien cadré et puis il y a le téléphone qui tombe. Voilà, donc j'espère que ça va bien tenir comme ça. Alors, trio piqueur, bon déjà, un trio piqueur face à lui, mais non, je suis en fou. Séisme. Aïe, il est beaucoup plus rapide que moi. Je vais mourir. Ah non, même pas. Ah ah, bah oui, c'était... C'était Zoro, tout simplement. Purée, mais t'aurais pu faire un coup critique. C'est vrai qu'il envoie des Pokémon de type sol. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh, nous sommes à 513 abonnés, tout simplement. C'est quand même pas mal. Alors, Lucanon. Lucanon, est-ce que c'est plus rapide qu'un trio piqueur? Je sais pas. Plaicroix. Piège de rock, bon. Ça va, c'est que piège de rock. De pierre. Attendez, j'essaie de recadrer comme ça. Voilà. Ça devrait aller, je pense. Puis nous sommes qu'à 4 minutes. Ah, niveau 70 pour l'arbitrique, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Hop. Un Rhinastock. Alors, allez, Prédaster. Prédaster qui peut peut-être faire le café sur le Rhinastock. Je l'espère au moins. Ah purée. Aquabrèche. Yes. Il est plus rapide. De toute façon, mais c'est x4 sur lui. La défense. Séisme.
Aïe, c'est chaud, c'est très très chaud. Alors, est-ce que ça y est quelque chose? Bah oui, bah, tête de fer, tout simplement. Tête de fer, bah oui. Faut pas qu'il rate son tête de fer. Yes, c'est bon. Battu son inaspect. Ah, presque. Séisme. Ça va faire mal. Il peut pas résister à un PV. Ça, c'est chiant, ça. C'est très très chiant. Lucanon. Allez, un Lucanon, enfin, c'est un peu comme une brochette sur elle, quoi. Sympa. Ah, puis en plus, c'est super efficace, quoi. Machouille. Allez, c'est bon ça. Ça c'est bien. C'est très bien. 1300. Non, pas 1300. Voilà. Ah, voilà. Et ouais, j'ai fait un petit peu de Pokémon Go aujourd'hui. Hein. Enfin, hier. Ouais, aujourd'hui aussi, je pense. J'ai capturé. Bah, j'ai plus fait que des œufs. Enfin, un œuf, surtout. Dracogriff. Bah, c'est bon, Rouge de Batte est un peu plus rapide que. Ouais, Cradovague. Ah, purée, ça fait assez mal quand même. Vent violent. Yes, pour une fois qu'il rate pas son attaque. Cradovague. Ah, c'est chaud. Alors, est-ce que j'ai encore des arbres à pelles? Les arbres à pelles, elles sont où? Ouais, c'est bon, j'en ai encore. Lance-flamme. Oui, 7 minutes d'épisode. Ah, purée, j'espère que je suis plus rapide que le... que lui, quoi. Allez, c'est un bout de feu, mon gars. Non! Non! Je suis pas plus rapide que lui. Ah, purée. Mais c'est les pièges de rock, là, ils me font chier. Allez, hop, ça. Cradovague. Ah, si je peux. Yes. Allez, Prédastère. Sur Prédastère, allez. Crâne de vague. Ok. Allez, Prédastère. Ça va être chaud. Ça va être chaud, allez, des pierres pointues, blablabla. Allez, quoi, brèche? Tiens, Riffers, tu peux résister, s'il te plaît. C'est bien. Allez, un petit aqua brèche. C'est bon, KO. Ah, en plus, coup critique, c'est bien ça. C'est bien, Prédastère. À 69, pas mal. Ah, un Nidoking. Alors, j'en profite pour prendre un autre Pokémon. Ou alors je le soigne. Ouais, non. Je vais. Voilà. Hop. Séisme. Ah, puis on est c'est chaud. C'est vraiment chaud. Les mecs. Ah, faut voir s'il n'a pas une attaque roche. Ok. Je veux voir s'il n'y a pas d'attaque roche par hasard. Ok. Exécution. Bon, ça fait un petit peu mal, mais ça va.
Il va arrêter de tomber le téléphone. Puis j'espère qu'il va pas tomber. Hein. Exécution. Yes. Je pense que je peux encore prendre un Pokémon. Ah, il peut résister. Hein. Direct toxique. Bon, je suis pas le meilleur cadreur du monde, mais bon. Allez. Hop. J'essaie de mieux cadrer. J'essaie de cadrer du mieux que je peux. Alors j'espère que la courbage va suffire. Et que le séisme ne va pas me tuer. Ok, ah oui. Ça va tomber. Et bien sûr, un coup critique. Voilà. Allez. Putain, mais... C'est bon, quoi. Mais... Ça va bien tenir, au moins. Voilà. Alors, voilà. Ballon, bradé. Yes. Hop, un petit ballon, bon. Est-ce que je vais gagner? Non. C'est chiant le téléphone qui tombe. Alors. Machouille. Direct toxique, c'est pas efficace. Mais ça fait assez mal. Yes, je baisse sa défense. Je baisse sa défense. Oh purée. Allez, tu peux le faire. Je peux le faire. Direct toxique. Et le téléphone il commence à me faire chier. Coucou, je tombe. Voilà ce qu'il fait. Machouille. Direct toxique. Le fait que ça soit un coup critique. Voilà. En plus empoisonné. Voilà. Je ne veux pas faire d'erreur. Je ne veux pas faire d'erreur. Mais ils sont où les armes rappel déjà? Je sais jamais où ils sont, en fait. Voilà, une herbe rappel. Ok, séisme. Très bien. KO. Voilà. Hein? Hein? C'est qui le patron? C'est moi. Et toi t'as pas le droit de gagner. Machou. Direct toxique. Voilà. Donc ça c'est bon. Déjà. En plus un coup critique, c'est nickel. Ouais. Et j'espère qu'on aura terminé avec la team Rainbow Rocket après. Pression. Hop. Voilà. J'ai peut-être besoin de Zoro Arc aussi. Ouh. Méga Mewtwo. Méga Mewtwo, les gens. Méga Mewtwo, Y, je crois. Ouais, c'est le Y, hein. Dommage. Je suis en feu. Allez! Pépé! De toute façon, le choc psy pourra pas me toucher, j'espère. Hein? Je l'espère. Aura sphère.
Bon, la grosse sphère, ok, très bien. Bonjour, au revoir. On va se faire ça comme le pépé déjà, je sais plus. Oh purée, c'est chaud. C'est très très chaud. Non, je veux pas l'attaquer. Je vais bouffer tous ces orasphères. Non, j'ai peut-être une idée. Frappe psy. On va voir. Il y a aussi la frappe psy. Dommage. Attendez, c'est qui le plus rapide? Entre. Ouais, qu'est-ce que c'est du coup? Ok, laser glace, salut. On a perdu. On a perdu. Bon, mais je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous donc à la chaîne si ce n'est pas fait. Mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde.